Bonjour les amis du Petit Élevage FK. Bienvenue sur notre chaîne. Abonnez-vous massivement, hein. Abonnez-vous massivement, partagez. Partagez nos vidéos, partagez. Nous voulons toucher plusieurs. Nous voulons susciter une nouvelle vague de cuniculteurs par devers le monde entier. Tout est devenu cher. Partout sur la terre, on crie, on pleure. Et pourtant, le bon Dieu a tout pourvu. Et pourtant, nous avons du potentiel en Afrique et nous avons des capacités à l'intérieur de nous. Ok. Les amis, je viens ce matin par cette vidéo encore vous montrer une autre technique, une autre astuce. Ici, là, j'ai un lapin mâle qui a les dents qui débordent. Il n'arrive pas à manger. Je vais vous montrer comment on coupe ça. Il faut simplement couper. Oui. Salut, mon grand. Montre-moi voir tes dents. Montre-le tes dents. Voilà. C'est devenu comme le caterpillar, le poquelin. Viens là, petit, viens. Voilà. Tu comprends le langage. Voilà ses dents. Comment couper donc ces dents-ci qui ont poussé? Je vais vous montrer. Parce qu'avec ça, il ne peut pas bien manger, ça déborde. Nous allons couper ça tout à l'heure. Je vais me servir d'un matériel que j'utilise souvent. Vous voyez, ça a débordé. Comment faire pour tailler les dents du lapin qui ont débordé comme ça? C'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, je vais directement tailler ça en direct et vous allez voir. Vous allez assister au taillage en direct de la dent de ce gars. On va tailler de sorte qu'il n'ait aucun mal. Il ne va rien sentir. Il ne va même pas sentir que la nuit est tombée. C'est ça aussi, aimer les animaux. Voilà. Bon, on y va. Viens là, mon doudou. Viens, on t'amène au laboratoire. Hein. On va te zigouiller la gencive, la dent là. Hein. Qui t'empêche de manger et d'être replet. Où sont ces dents là? Tes dents ne sortent pas sur la photo, Joe. Ah, voilà ça. Voilà. Voilà ces dents. C'est ça que nous allons tailler. C'est ça que nous allons tailler maintenant. Regardez, ça a débordé. J'ai cru qu'il allait gratter lui-même et arracher ça sur le bois. Il n'a pas gratté, il est paresseux. C'est ça que nous allons tailler maintenant. Ok, on y va. Je vais... Ouais, le matériel que je vais utiliser. Je vais utiliser ceci. Comme vous voyez là, ce taille-ongle. Donc, avec ce taille-ongle, je vais utiliser ça pour ne pas lui faire trop de mal. Et quand je vais tailler ça, il sera élégant. C'est ça le taille-ongle que je vais utiliser. Je me sers du taille-ongle pour tailler ça avec précision. Ok. Donc, vous allez sur le marché comme ça, vous allez avoir un costaud taille-ongle comme ça. Ce que nous taillons nos ongles avec. Le taille-ongle-ci est très bon. Il est costaud, il est rigide, il est solide, il est efficace. Moi, je l'utilise pour tailler l'ongle des dents qui poussent de mes lapins et leurs ongles. Voilà. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment on taille l'ongle du lapin avec ça. Ça, c'est le taille-ongle. C'est moins cher sur le marché. Avec 150 francs, 100 francs, 200, vous avez ça. Ok. On y va. On va mettre ça comme ça. Il ne va même pas sentir. Et c'est fini. Tout est fait. Laisse-le. C'est fini. Vous avez vu, on a résolu le problème en une respiration. En une fraction de seconde, le problème est résolu. Et le lapin est devenu élégant. Oh, mon frère élégant, on va manger maintenant. On va manger. Vous voyez la dent du lapin? Vous voyez la dent du lapin? Le lapin peut mordre. Hein? J'ai fait une vidéo où je disais comment attraper le lapin techniquement, surtout le lapin récalcitrant. Quelqu'un m'a dit de quitter avec ça, que le lapin n'est pas récalcitrant, qu'on peut l'arrêter n'importe comment, il n'a pas de défense. Le jour qu'il va te mordre, tu vas parler. Tu vas venir nous dire. Voilà, tout doux. Ça va, non? Ça va, non, petit? C'est bon. C'était le Petit Élevage FK. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Partagez les vidéos, likez. Likez, 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 likez. FK, c'est moi. Si vous voulez, vous avez besoin de notre livre de prise en charge de l'apéro de A à Z. Si vous avez besoin de formation ou d'accompagnement ou de quoi que ce soit, ne manquez pas de nous contacter via le numéro WhatsApp que nous laissons dans la barre de description. Contactez-nous à tout moment. Si vous avez des questions, posez-nous-les en commentaire dans la vidéo YouTube. Si vous voulez nous écrire, nous avons un seul numéro WhatsApp.
plus 237 677 63 91 74. Vous nous contactez à tout moment et nous sommes à votre disposition.